Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, c'est vendredi 5 janvier 2024. Bienvenue dans le journal là. Puis, vous prenez une vague pour nous développer pour dans le journal ça. Guerre Israël, Hamas là, toujours à multiplier pendant la crier militant Gaza, trouver dans yon humanité. La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Encore pour nous ensemble, pour nous présenter un programme dans l'Ancol haïtien. Jeudi, c'est lundi, c'est le premier sorti nous pour ce maintenant. Moi, c'est Jacques Lambélisa, avec un grand point, cap dominé, actualité. Actualité internationale, secrétaire d'État américain Anthony Blinken a privé dans Tel Aviv en Israël dans moment gagné un gros risque pour violence gagné dans la région Moyen-Orient après une attaque armée israélienne qui touillait un gros leader Hezbollah dans le Liban. Actualité électorale ici aux États-Unis, président Joe Biden délivré deuxième gros discours dans cadre campagne électorale pour élection présidentielle novembre. Et puis dans le pays d'Haïti, juge d'instruction Duniel Dimanche, tandis Jodia, ancien premier ministre Claude Joseph, avec ancien député Charles-Zer Chancy, dans cadre d'un dossier corruption. Donc c'est pour ça yo avec l'autre accord nous pour le développer pour dans un petit moment gros point dans actualité internationale là c'est secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a fait un quatrième voyage dans trois mois dans la région Moyen-Orient depuis guerre a été éclaté entre Israël avec Hamas. Monsieur Blinken rencontré Jodia avec responsable Émirats Arabes Unis en Arabie Saoudite et il gain pour aller dans pays Israël pour faire plus pression sur état Hébreu pour gagner moins victimes dans la population et dans Gaza. Après Israël, il a pour aller dans Ramallah, dans Palestine. Chef diplomatie américaine a privé dans Tel Aviv, en Israël. Dans le moment, il y a un gros risque pour violence et pas gagner dans toute région, surtout après que l'attaque israélienne touye un gros leader Hezbollah dans le pays Liban. Nous allons faire mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Yon attaque aérienne armée israélienne pour le commandant élite Hezbollah, Wissam Kawil, dans le pays Liban. Pendant ce temps, l'armée israélienne a continué à attaquer dans Gaza, alors que hier dimanche 7 janvier 2024, la guerre entre l'armée israélienne contre le groupe armé Hamas a été arrivée dans trois mois. Et la population gazaouia continue à entrer plus fond dans le problème humanitaire. Hezbollah, nan wòl li comme défenseur Hamas, tiré dans direction base militaire nan no. Nous pas perdu personne. Nous t'ai touyé escadron qui t'ai tiré sous Israël là et frappé yon série cible qui gen la dans cible important militaire groupe là. Préparation nous nan no, rete solide. Force défense israélienne yon te dit que yon te frappé cible Hezbollah dans pays Liban samedi 6 janvier ya, yon titan après yon série roquette yon te lancé sorti dans pays Liban dans direction Meron, Metoura ak Magaliot dans nord l'armée Israël la. Groupe armé libanais Hezbollah te dit que li te frappé yon poste observation important israélien dans samedi matin ak 62 roquettes comme yon réponse préliminaire dans assassinat leader adjoint Hamas la Saleh al-Aouri. Aya dimanche 7 octobre là, qui te marqué 3 mois depuis la guerre entre Israël et Hamas la te déclenché, quelques familles victimes te retourné sous site festival Israël là pour rendre hommage à victimes yo et otages qui nommé groupe armé Hamas là. D'ailleurs non, d'ailleurs won't come back. Malheureusement, Tahir ak Odaya pa pral retourne. Mais, genyen toujours 136 otages Hamas kembe nan Gaza pour plus passer 90 jours.
Gouvernement israélien yon doué présenter yon plan pour libérer tout otage yo. Yon l'autre côté, ancien vice-président américain yon Mark Pence te dit dimanche 7 janvier ya que États-Unis doué voyer yon message clair que li continue à supporter peuple Israël là dans la guerre li contre Hamas dans Gaza. That America will stand with Israel today. Nous pral camper ak peuple Israël là demain et chaque jour jusqu'à ce que menace Hamas la détruit yon fois pour tout. Et puis pour la paix ak sécurité rétabli pour peuple Israël là. Yon attaque aérienne la mais Israël là sous yon SUV, touye commandant élite Hezbollah Wissam Tawil dans site pays Liban jodi lundi ya. C'est ça yon officiel sécurité qui te parle sous condition anonyme te dit selon règlement yo sans li pa bay détail. Dernier nan yon combat kap grandi sous frontière Liban qui augmente la pérèse pour yon l'autre la guerre dans Moyen-Orient. Même si bataille là dans Gaza a mené nan yon augmentation quantité victimes civiles yo. N'a pas rappelé, la guerre actuelle entre Israël et Hamas la te commencé nan date 7 octobre 2023. Le groupe armé Hamas la te touye environ 1200 moun et puis prend 240 otages, d'après officiel israélien yo. Offensif israélien yo touye jusqu'à présent 22 835 palestiniens dans Gaza, d'après ministère santé dans Gaza, groupe Hamas la a dirigé. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci Augustin Junior, gentil Augustin Junior qui saute banon mise à jour sous situation dans la région Moyen-Orient. N'a quitté région Moyen-Orient, Proche-Orient pour entrer ici aux États-Unis pour nous parler de élections, actualité électorale pour nous parler politique et manifestants pro-palestiniens. Rele Chalbari derrière président Joe Biden dans moment l'étape délivré deuxième discours dans cadre campagne électorale pour élection présidentielle novembre Cap Vini Layo. Sandra Lemaire gain détail. The truth is under assault in America. As a consequence, manifestants pro-palestiniens qui t'a demandé au cessez-le-feu dans Gaza interrompent discours président Joe Biden t'a prononcé dans l'église Mother Emmanuel AME en Charleston lundi. Au moment Biden t'a parlé dans lieu côté au nègre Axan t'a fusillé 9 fidèles noirs dans l'église là, en 2015, il y a un manifestant qui t'a relé bien fort, si vraiment vrai, ou bien qu'à sauter pour moun qui t'a mouru ici là, ou t'a dû honorer la vie moun qui mouru et puis demander au cessez-le-feu dans Palestine. Autorité ont t'a fait manifestant qui quitter l'église là. Pendant ce temps, moun qui t'a en dedans l'église là, pour écouter discours Biden t'a t'es prêt à chanter 4 more years, ça veut dire, you lot 4 ans. Biden te répond pour dire on comprend passion yo et il a ajouté que la travaille tout doucement à gouvernement israélien pour faire suspendre opération yo l'autre bois dans Gaza. Thank you. Look folks. I understand their passion and I've been quietly working. I've been quietly working with the Israeli government to get them to reduce and significantly get out of Gaza. Après ça, on dame t'a relé bien fort pour encourager Biden et dire où c'est un bon nègre. Biden t'a profité du discours pour mener une campagne pour un deuxième mandat et puis clairer lumière sur ça les considérer tant que poison extrémiste blanc yo représenté et qui pas doit joindre aucun soutirance dans la société américaine. Non. Biden dit li vle pour américains connaît ça les quoi qui en jeu dans élection présidentielle mois de novembre non et la pour visiter quelques zones côté pays a souffri plus gros drame yo pour mettre accent sur ça passé là yo quitté sentiment raissement donné. N'a rappelé que 17 juin 2015, un jeune homme blanc qui était gain 21 ans est entré dans l'église là et puis ras les âmes sous fidèle et puis touillé 9 parmi eux. Qu'il y a plusieurs autres qui étaient blessés dans l'attaque là côté monsieur était envisagé déclencher la guerre raciale. Biden était vice-président des États-Unis dans l'époque là
et l'été assisté messe dans l'honneur victime yo dans Charleston, Caroline du Sud, côté président Barack Obama t'est remporté en pile louange pour façon l'été chanté Amazing Grace. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Donc, t'as qu'on capable c'est fièvre électorale là qui commençait ici aux États-Unis pendant l'année 2024 là c'est pour aller élection en novembre. Donc, il y a plusieurs points qui prennent l'actualité, notamment Sandra Sout parlait de enjeux, mais il y a parlé de politique extérieure, politique internationale. Mais tout bon, l'autre question qui est très importante, qui est dans l'agenda, c'est question immigration. On a loué ça plus près parce que sous frontière et États-Unis partagées avec Mexique, là, ça a toujours été chargé. Oui, actualité à nan immigration, migrants yo nan Mexique continue à avancer dans direction frontière États-Unis partagée avec Mexique, bien que autorité mexicaine yo te gaye caravane nan qui te gen la donne 4000 moun. Caravane nan a traversé partie sud Mexique après gouvernement ak autorité immigration yo te promet pour fournir yo permis voyage si caravane nan te divisé pour te ka recevoir dans plusieurs centres immigration. Mais version manuelle qui sont migrants qui sorti dans pays Honduras. Nous avons route là 24 décembre. Autorité mexicaine était supposé voyer un document pour permettre nous voyager sans problème. Mais tout bagage ça c'était bluff. Ils ont promettre pour te banou li l'autre bois. Nous étions là depuis 6 jours et à la fin des fins, nous étions repartis plusieurs côtés et nous crasé caravane. Péripétie ça a privé dans un moment difficile avec Freddy qui arrivait. Un autre migrant Wilfrido dit c'est exprès autorité au fait. Moi, pense que c'est une façon pour détruire caravane parce que caravane est très fort et c'est pour ça responsable Gaël. Par exemple, ils ont séparé un nèg avec famille et ils ont allé avec elle pour contre lui. Ils ont dit tout que ils ont pral déplacer un groupe femme enceinte avec timoun yon l'autre côté. Tout c'est menti. Un militant immigration Luis Garcia Villagrande qui s'est coordonné caravane condamné action autorité au fait les écraser caravane. L'Institut national de migration a dispersé migrants dans Chiapas et littéralement abandonné les gens dans la rue Villa Hermosa, dans la Playa de Catasara, dans Palenque et dans Berriozabal. Autorités mexicaines ont écrasé la caravane après responsable américain. Parmi le secrétaire d'État Anthony Blinken, a réalisé un voyage côté représentant deux pays voisins, t'es d'accord pour travailler ensemble contre phénomène migration. C'est comme ça en pile migrants ak famille vivent moment macaron sous route ça. D'après autorité mexicaine yo, yo rive sauver yon maman par exemple à 4 petites li qui manquaient péri hier dimanche là. Image Institut national mexicain partagé montré employé yo sous yon bateau qui a retiré dans de l'eau frette là, yon maman ak yon ti moun 2 ans qui nan bral ak 3 l'autre qui gagnent 7, 10 et 14 ans. Famille ça c'est natif natal pays Mexique et ont traversé rivière pour rentrer aux États-Unis. Et ont tenant de loi depuis 7 heures là relé en moi by autorité mexicaine qui ont même t'a fait patrouille dans zone là. Gen une quantité record dans quantité monde, dans quantité migrants qui traversaient Amérique centrale là avec Mexique en 2023 dans l'idée pour entrer aux États-Unis côté à courir pour la misère, la violence et conflit armé. Donc voilà, situation a toujours été compliquée sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Donc question immigration très présente dans l'actualité. C'est comme ça, ville New York lui-même lui a signé pour 700 millions de dollars 17 compagnies autobus qui a transporté immigrants sortis sous frontière Texas là arrivé dans ville New York. Nous gain Valerio Saint-Louis sous place. La justice ville New York là a assigné plus passé une douzaine compagnie autobus qui a transporté moun pour 700 millions de dollars. Yo accusé compagnie autobus ça yo que yo t'ai transporté illégalement plusieurs dizaines de milliers d'immigrants sortis sous frontière sud là pour arriver dans ville New York là sous direction gouverneur Texas là Greg Abbott. Procès légal là accusé 17 compagnies autobus yo peut-être yo t'ai participé dans un plan pour déplacer moun en connaissance de cause et avec mauvaise foi, ça qui violait restriction état yo sous abandonnement moun qui n'en besoin dans New York. Villa a cherché collecter dommages financiers une façon pour couvrir dépenses pour prendre soin une quantité immigrants qui estimait à 33 000 qui est arrivé dans Villa à Bobis Transport ça yo depuis époque saison printemps 2022. Plainte assignation ça qui déposé dans tribunal état New York là depuis jeudi passé représentait dernier effort que magistrat démocrate ville New York là fait pour le refouler quantité chay moun qui a cherché asile que gouverneur républicain dans état Texas a mettait dans autobus pour porter au vin la dans ville New York là.
État Texas a voyé plus passer 95 000 immigrants dans sa yorele ville sanctuaire, tant que New York, Chicago et Denver. Gouverneur Texas, la Greg Abbott, te dit mois passé que li te fait ça une façon pour protester contre politique immigration président Joe Biden. Tous deux villes, New York et Chicago, te annoncé dans semaine passée une nouvelle restriction qui mande compagnie transport bisio pour yo bay yon avis à l'avance sous arrivée dans ville yo. Dans quelques jours après, yo remarqué que en pile dans autobus ça yo te commencé débarquer immigrants yo tant qu'ou bête dans sa vanne pour la gueyo dans tout aux alentours ville yo sans avertissement à l'avance, ça qui mettait officiel ville yo en colère. Gen quelques dans compagnie autobus yo qui affecté par procès et qui fait qu'on est que yo même yo pas fait politique. C'est ça que David Jones, un employé qui travaille pour compagnie autobus qui relait Bouquet Coach LLC te dit, li ajouté tout que eh ben yo c'est juste compagnie transport yo pas dans politique. Procès légal la chita sur une disposition loi État New York là qui interdit transférer yon moun qui n'a besoin sorti en dehors yon État pour arriver dans yon autre État avec intention pour faire tourner yon chai politique. Procès légal la cité yon rapport qui joigne que pour voyage yon, compagnie autobus transport yon recevoir à peu près $1,650 américains pour chaque moun que yon transporté. Yon prix qui dépassait prix yon ticket autobus standard pour yon seul moun. La justice considérait ça comme une preuve que compagnie autobus a yon te participé avec mauvaise foi dans complot. Bon côté pal, gouverneur État Texas Greg Abbott te dit que procès a c'est une violation claire dans affaire commerce transport qui garantit droit constitutionnel pour moun voyager. Gouverneur Texas a te dit chaque immigrant qui te prend autobus au soir qui te arrivé dans ville New York a te fait ça volontairement après que l'administration Biden a été autorisé pour rester aux États-Unis. Avec ça, yo gain autorité constitutionnelle pour voyager à travers pays a. Et magistrat Adams a interféré sous droit ça. Selon ça que gouverneur Texas a te dit, avec quantité immigrants ça qui débarqué dans ville New York, la situation logement vin pi difficile. Magistrat Eric Adams te annoncé un plan pour loger 2000 immigrants sur New Zealand dans East River dans Manhattan, une façon pour soulager demande pour logement full moun sa yo kap chèche asile dans ville là. Chercher logement pour immigrants yo pas facile et gen nan yo ki pa comporté trop bien. C'est comme ça que yo te accusé un jeune garçon 27 l'année qui lui-même résidait dans un abri immigrant dans ville New York là pour crime, pour tête li te touyé un autre résident dans même abri ça à coup de couteau. Ça t'est passé dans abri logement pour immigrants qui situé dans Randall's Island aux alentours 7h30 du soir hier dimanche, selon ça la police t'a dit. D'après un rapport la police ou attaque ça, victime n'a été recevoir plusieurs coups de couteau dans l'estomac li. Yo t'a mené par ambulance dans l'hôpital, côté que yo t'a prononcé que li mouri. Yo t'a arrêté suspect là sous scène crime là et mettez-le en prison, toujours selon ça la police t'a dit. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. N'a prêté ici aux États-Unis dans le Congrès même parlementaire joignant entente sous question qui gagne rapport à fermeture gouvernement dans fin mois janvier 2024 là Serge Rodriguez gagne détail. Quelques gros leaders dans le Congrès états-unien joignent encore hier dimanche là pour décaisser 1,590 milliards $ pour l'année fiscale 2024 là. En tant que là, visé à empêcher fermeture partielle gouvernement fédéral là dans fin mois janvier, dans un communiqué président Chambre des représentants Mike Johnson a publié sous question, il dit chiffre important dans accord là qui donc chiffre clé au marché à 886 milliards $ pour budget défense états-unien avec un autre 704 milliards $ pour dépenses qui pas ma connaît avec défense. Cependant, leader majorité démocrate dans grand corps sénateur Chuck Schumer publié un communiqué séparé pour dire l'agent qui a approuvé pour dépenses qui pas gain rapport à question défense puis près 772 milliards $. Portion qui m'a connu avec budget Pentagone là c'est un parti président Joe Biden déjà signé depuis mois passé pour transformer lui en loi. En tout cas, d'après sénateur Schumer, la leader minorité démocrate dans le Congrès, Hakeem Jeffries, l'agent a décaissé pour l'autre financement pour aller couvrir priorité qui est important pour dépenses internes ici aux États-Unis. Tant qu'au bénéfice pour vétérans l'armée américaine, soins santé et aide alimentaire. Demarchi a intervenu dans le moment Congrès à Paris pour retourner ici à Washington semaine ça pour travailler sur des lois de respecter dans la date 19 janvier à 2 février prochain pour résoudre question dépenses gouvernement fédéral là pour juste mois septembre qui vient là. Leader états-unien président Joe Biden dit hier dimanche là mesure si là c'est une démarche pour mettre nous plus loin en fermeture gouvernementale sans raison valable et puis protéger priorité qui est important pour pays. Jusqu'à présent, Chambre députée, qui est sous contrôle Parti républicain, avec majorité dans le Sénat, qui est sous l'obédience Parti démocrate là, pour qu'au fin entendre exactement sous façon pour utiliser 1,590 milliards $ à quoi il dimanche là, prévoir. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington.
Et puis, demain 9 janvier, c'est pral coup d'envoi salon CES là. Il y a un plus gros événement technologique à travers la planète là. Nous sommes sous place dans Los Angeles. Envoyé spécial non Fred Kaimit qui pral ba nou yon idée sou ki jan sa pral fèt demain. Et demain c'est coup d'envoi, c'est un gros événement côté que gan pile moun gros autobre qui présent la den. CES est une pi gwo événement technologie dans mode là que Consumer Technology Association organise chaque année. Dans salon technologie ça qui fait chaque année, c'est là consommateurs et médias yo joine opportunité pour découvrir toute nouveau technologie tant kou appareil électronique à cloud gadget qui gain pour disponible sur marché dans l'avenir. Première édition salon technologie CES là t'est faite dans mois juin 1967 dans ville New York. Te gen 17,500 moun ki te vin patisipe nan un gros événement si la. Et te gen plus passe 100 compagnie ki te vin présenter produit yo. Gen an pile gadget ki nou ap utilize nan vie quotidien nou ki te passe nan salon électronique CES yo avant vin disponible sou marché a. Tan kou se nan édition CES 1981 ke compagnie Philips Axon te mette tête ensemble pou te présenter bay public la yon appareil pou jouer CD. Et c'est dans CES 1985 là que compagnie Nintendo te révélé bay public là système Nintendo version américain. Et dans édition CES 2014 là, consommateur t'a pral gen chance découvrir un boîtier électronique que capable connecter avec une application sur téléphone mobile. Édition CES là commencé semaine ça dans Las Vegas mardi 9 janvier pour arriver 12 janvier. Dans l'édition 2024, nous avons pour nous découvrir technologie qui gagne rapport à 5G, intelligence artificielle, cybersécurité, robots, technologie qui gagne rapport à santé, transportation et la trier. Prêtez brancher VOA Creole pour petits détails. Merci Fred Kaimit. Fred Kaimit trouvait là Las Vegas pour gros salon ça, son gros événement technologique et aussi intelligence artificielle pour le mettre question dans programme ça. Donc restez branché sous VO Acrol pour capable gagner toute information. N'a pas entré dans actualité concernant pays d'Haïti, gagne ancien premier ministre Claude Joseph avec ancien député Scholzer Chancy. Il a même été répondre question jodia et juge Duniel dimanche dans cadre dossier corruption Massado Vilmé. La déclaration li fait après audition, ancien premier ministre Claude Joseph dit li kwè série convocation silayo si on démarche pour forcer le faire retrait sous position politique li. Bataille m'a mené pour Haïti pas tourner si la cour de la caille République dominicaine. Moi connais que son bataille qui fait un petit groupe de monde. Qui pas fait un petit groupe de monde plaisir. Et c'est comme ça, c'est satellite. Une élite en République dominicaine qui décide de faire pays à tourner arrière pour eux économiquement, politiquement et socialement. Bataille m'a mené pour justice pour le président Jovenel Moïse. M'a campé, m'a fait silence. Bataille aidé à mener pour capoter système ça. Un système qui générateur d'inégalité, d'extrême pauvreté avec violence. Bataille ça, nous ne pouvons pas prendre. Donc, c'est pour me dire que ce n'est pas possible du tout pour moi faire silence. Sous bon pas, ancien président chambre député haïtien, Charles Chancy, déclaré qu'il n'y a pas aucun matériel l'État dans le monde. Je vais tourner autant de fois que le juge a relé parce que je ne vais pas prendre pour la justice, parce que je ne vais rien que je fais dans le sens sérieux, je ne vais rien que moi-même ma peur. Je ne vais pas peur, je vais relé, je ne vais pas. Ça veut dire que vous n'avez pas d'équipement sérieux dans le monde? Jamais. Dans une ordonnance juge instructeur Al Duniel dimanche, rentre dans la date 5 janvier passé, mandé la police pour arrêter Mene Bali, ancien président Joseph Mitlem Privé, et plusieurs anciens premiers ministres, parmi eux Laurent Salvador Lamotte, pour citer ça seulement, pour corruption et détournement bien public. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour VOA Créole. Et actualité à Konya a mené nous dans le canal là, on a parlé de Wanamet. Et bien côté la police arrêtée pendant le week-end là. Edfort Charles, en bas accusation, il était participé dans craser barrière frontière et République Dominicaine avec Haïti. Nous prenons plus de détails avec correspondant nous, Jodley Junior Saint-Ville.
Edford Charles, c'est non un citoyen haïtien. La police n'a pas d'amètre arrêté samedi 6 janvier 2024 là, bon 8h matin. Pour présumer implication, n'encraser barrière frontière haïtienne, jour qui était 14 décembre 2023. Vidéo qui t'a circulé sur réseaux sociaux yo t'a montré yon citoyen qui t'a gagné un chapeau sous tête li, yon masque nan figil, t'a utilisé yon gros ciseau pour te couper chaîne à cadenas nan barrière haïtien qui t'a fermé depuis plus passé 3 mois après président dominicain Luis Abinader t'a fait pression sur haïtien yo pour tête construction yon canal irrigation sur rivière Massacre là. Yon construction pourquoi elle est là qui presque arrivé nan bout li. Depuis après incident sa fin passé, pas jamais gagné autorité nan niveau l'état central qui prononce sous question. Pendant activité commerciaux reprennent normalement en deux pays yo. Mais ça pas empêché commissaire gouvernement for liberté à mettre Eno Zéphirin te voyer mandat invitation by plusieurs moun nan cadre enquête l'a mené pour joindre tout coupable qui t'ai participé nan craser barrière haïtien. Pour qu'on y a là, après arrestation, Edford Charles a répondu question SDPJ. Yon dossier n'a pas suivi. Jodelin Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. Merci Jodelin. Qu'on y a nous pral dans le pays la France qui accueille un pile soleil qui sortit dans le pays d'Haïti avec Tafa Mi-Soleil. Nous gagnons sous place dans la ville Paris, ville lumière là, et Franklin Edouard Jedems. Tout logé année yon pas effacé. Yon jeune artiste haïtienne qui dernier temps sa yo marqué kilti haïtienne nan avec voile et choix texte li yo. Tafa ou Tafa Mi Soleil. Tafa c'est yon nan passionné de musique depuis tout petit. Li sorti nan commune Kinskoff en Haut-Pétionville. Tafa commencé une carrière professionnelle ça gain de cela 3 ans. Aussi longtemps que m'ka songé de toujours chanteuse, je pense que c'est la chose la plus naturelle que j'ai. Je suis née avec, c'est un don, c'est un talent. Et j'ai décidé depuis lors que c'est devenu ma profession et je pense que c'est l'une de mes plus grandes fiertés d'être artiste parce que m'a fait en bas avec moi-même, m'a fait comme un avec, m'a vivre de lui. Il a une fière de moi. Pas. Ta femme, malgré qu'elle est dans la religion pentecôtiste, fait connaître que ça n'a pas freiné l'inspiration pour les diriger vers la religion du vaudou. Je disais qu'elle ne peut pas dire religion parce que pour moi, le vaudou n'est pas une religion. Il est plutôt un mode de vie, il n'a nous remet, il n'a nous vivre, il n'a nous comprendre la vie, il n'a nous rapprocher nous de la nature. Et si moi, j'allais là, c'est parce que moi, je suis femme haïtienne, noire, et qui levait en Haïti et qui est fière d'origine et qui voulait. Vignon ambassadrice de culture li qui voulait mettre qui voulait que œuvre li yo gain un marque culture li et pour qu'elle passe à n'importe quel moment. Par un jeune artiste qui seulement compte bonheur, li connait rencontrer tout en pile difficulté, mais li gagne une façon que li gère yo. Avec ma musique c'est mon refuge, c'est tout. C'est tout ça me pas dit, tout ça me pas ca. Mettre mon sou yo de manière directe, si je parle avec vous, je viens de vous mettre sur vous, si je fais une musique. Ta femme encourage l'autre jeune yo, pour yo chercher à découvrir tête pa yo, et chercher propre chemin pa yo. Pour ta femme, il n'est pas toujours bon pour chercher dans l'autre monde. Ça va constituer un frein pour épanouissement. Oh, déjà, je vais essayer ta femme. Parce que je veux clair dans tête que nous supposons inspirer nous de monde, prendre le monde comme modèle, tout en comprenant que nous tracer propre chemin par nous. Parce que nous étions nous-mêmes avec une personnalité qui propre à nous-mêmes, un talent qui propre à nous-mêmes. Et même si nous sommes plus capables d'identifier nous à deux mondes, nous peut-être qu'il y a des gens qui rappellent nous à l'autre monde, mais nous étions nous-mêmes avec tout ça qui fait nous. Et il est important pour nous découvrir peut-être nous et permettre que nous mieux comprenions les valeurs que nous gagnons et que nous mettions le manger public là pour nous. Vivre, comprendre et respecter. Ta fa arrivé à Paris, mes amis, pour un grand spectacle. Ta fa fait qu'on est libre à l'écraser sa plate. Vini pour nous connaître. Nous quitter un bel bagage pour nous. On va en bel show pour nous. Et moins pressé, moins excité. Côté soleil là, c'est de Haïti pour nous. Nous avons été allés chercher les concerts. Jedems Franklin Edouard, depuis la ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole. Merci Jedems. Merci Tafa, qui a porté soleil pays d'Haïti. Dans l'Hexagone. Mes amis, nous, le monde du football est pratiquement en deuil. Il y a deux gros noms dans le football mondial là, qui sont même éteints.
Mario Lobo Zagallo, et un gros nom, gros entraîneur et football, qui champion avec le Brésil, qui champion et comme joueur, qui marque période li. Et puis l'autre là, c'est Der Kaiser, l'empereur. N'a parlé de Franz Beckenbauer, qui lui même tout en tant que joueur, en tant que et entraîneur, en tant que dirigeant, il marquait football mondial là. Franz Beckenbauer était gain 78 ans, il était gain en maladie, il souffrait en pile de maladie et Monte Carlo très rarement et ces derniers temps, mais finalement monsieur mourit et puis donc et gain pile monde capé pleurer le départ de Franz Beckenbauer à toute Mario Lobo Zagallo. Donc mes amis, c'est là n'a pas été fin avec nouvelle Trissa que n'a pas été fin dans le programme aujourd'hui. C'est ton plaisir. Comme d'habitude pour te servir, merci pour attention, merci pour fidélité et puis un gros coup de chapeau pour gentil Augustin Junior qui monsieur mettait en quatre là pour faire ça passer aujourd'hui. Moi c'est Jacques Lembélisé. Bonsoir. Donc rendez-vous à c'est pour demain.